Bienvenue à ou même qui a peine fait apparition sous chaîne ça. Nous a fort connecté ensemble avec Zami Otamas qui là pour informer de tout ça qui a passé Haïti tant que l'autre bord de l'eau mesdames messieurs. Mais plus précisément matin nous a basé nous en Haïti côté que yo rivé révoqué Ramo Normil. Tout le monde connaît que Ramo Normil c'était ancien DG Police Nationale là. Nous dit ancien parce que il révoqué et il est déjà remplacé par Léon Charles qui c'est nouveau DG Police Nationale là. Une information qui est déjà confirmée par la présidence et la primature. Matin, un grand bonnet, Berson Soljou, qui est directeur central de la police administrative là, te recevoir un appel pour te capable annoncer ça, pour faire connaître que nouveau directeur la police là, c'est Léon Charles. Kounyan là, mesdames, messieurs, m'pral permettre que nous tendez nan anti communiqué tout petit, qui est-ce qui Léon Charles, qui ça te qu'on fait avant que l'arrivé nan phase pour vin dire directeur police nationale. On a entendu ensemble. Léon Charles qui était dirigé la police nationale d'Haïti de mars 2004 à septembre 2005. Donc il revient aux commandes alors que l'insécurité a fait rage dans pays d'Haïti. Faut dire que décision li prend le 12 novembre 2020 parce que même il a arrêté à même là. Publié dans le journal officiel Le Moniteur le vendredi 13 novembre 2020. Eh bien, nous prenons commenter information ça et avec l'autre sous plan et politique et surtout avec un ancien premier ministre. J'ai nommé Evans Paul, dirigeant et politique Monsieur Paul qui est en ligne. Evans Paul, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour, bonsoir, Madame Marie-Lucie Bonhomme-Opon. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui branche tout partout, Captain B. C'est avec plaisir de répondre à l'invitation une fois en plus pour nous brasser l'idée sur la situation PIA qui malheureusement est extrêmement difficile. Ok, extrêmement difficile, un moment extrêmement difficile ça, et président Jovenel Moïse est décidé de changer. Décider changer et directeur et général la police nationale là, Ramo Normil et qui fait place et à ou ancien DG institution policière là Léon Charles qui revient et aux commandes de la PNH. Question en simple, soit pensée de changement ça. Pour les bagages, m'a salué passage Normil Ramo, qui était un policier remarquable, qui était fait, n'était capable de dire un bon travail dans tête de CPJ, mais qui depuis l'arrivé dans tête PNH là, confronté à des difficultés, il était même attaqué personnellement, il était manqué tout le dans le bureau, il a assassiné papa, il fait face à un bon mouvement de contestation en dedans même police nationale là qui pond trois syndicats de l'autre SPNH fantôme 509 là le prend la rue nous connaît qui dégale fait un troisième grillé Sinapoa. Alors son contexte difficile, c'est la première fois que policier a contesté inspection générale, il a fait des ordres là dans lui, il a contesté directeur général mandé pour démissionner. Alors, c'était un moment extrêmement difficile pour monsieur Ramo, il était même on l'a joué en reproche publique de premier ministre Joseph Jout. Alors la tâche n'était pas facile pour monsieur Ramo, n'était pas empêché que ils sont monde qui était respectable, qui était intégrité, mais il est clair qu'au niveau des résultats, ni autorité, ni population, pas satisfait. Il est clair, et c'est pas nous vivre. Mm-hmm. Cependant, et pendant ma salue à du nouveau directeur de la police nationale, qui l'a déjà. Léon Charles. Pardon? Léon Charles. Oui, Léon Charles, bon, on nous dit ambassadeur Léon Charles, parce que monsieur qui t'a job est ambassadeur, même s'il n'a pas passé devant le Sénat, mais c'est ça a été gagné comme un représentant d'Haïti à l'OEA. Alors Léon Charles,
c'est un monde d'expérience. Il était dans l'armée d'Haïti. Donc, il était dans le grade lieutenant dans l'armée d'Haïti. Il était, là, il mettait le directeur de la police nationale en 2004. Mm-hmm. Monsieur est en charge de la marine. Et ça t'a étonné tout le monde pour le point monde qui est dans la marine, pour le directeur de la police nationale, tout le monde t'a demandé est-ce que monsieur est capable de faire ce job-là. Mais il est clair que Léon Charles, c'est un passage remarquable dans un moment extrêmement difficile. Pas oublier, dans le contexte de 2004 là, nous avons une opération Bagdad. Et monsieur Charles fait face à une situation ça qui était extrêmement grave pour le pays. Alors son monde, d'expérience, qui a une formation comme militaire, comme policier, comme diplomate, et il n'est pas tombé dans aucun scandale. Ça me casse souhaité lui, c'est bonne chance. Mais au-delà de la nomination de M. Léon Charles, faut me faire très attention pour ne pas penser que le problème de sécurité, la police seulement capable de résoudre. Et la police aussi, la police fondamentalement, mais n'a fait face à sa réunion implosion sociale. Côté question police là, n'est pas capable de résoudre cette question de sécurité à Pakachita uniquement sous dos la police. Gagner, l'autre jour, d'expliquer que 5 étapes dans la question. Et Evans Paul, oui. Monsieur Paul, ma foi, ou t'y campo, parce que, un directeur général de la police, qui est parti là, il souhaite passer environ 1 an, 3 mois, comme ça, nous pas qu'à juste quelques secondes, non? Et pour nous dire, bon, voilà, il n'y a pas de café travail. Mais, ma vie comprendre, je suppose, Mounio, et nous t'es gagné à faire à deux, Normil et Rameau. Ou directeur de CPJ, qui a un bon état de service, tout le monde a félicité, il est venu tête la police, il est carrément tétanisé. C'est ça le délire. Tout le monde reconnaît l'échec. Mais au-delà de tout mouvement qui a traversé la police, là, est-ce qu'on va interroger sur le leadership Rameau Normil, tout ça qu'expliquer, ça dit où qu'on a pétré, mais on a essayé fond bagaille. Mais nous-mêmes, nous pas contre s'il t'est essayé ou pas. Bon, t'es essayé parce que lui lançait plusieurs opérations, mais j'en t'ai dit, pas gain résultat. En essayer et comprendre pour qui ça, alors que nouvelle personnalité qui n'en tête police ça. Et puis après, nous allons parler de Léon Charles pour nous voir qui ça captonne. Eh bien, il y a un chef, quel que soit bonne volonté, quelle que soit formation, pas capable efficace de structure faible, de institution dysfonctionnelle. Parce que moi-même, ça m'a assisté depuis quelque temps pour une police qui est indémandable. Ou bien la police qui a fait des ordres dans la rue, ou bien un policier qui a le boulet stand, ou bien un policier qui a attaqué local avocat, parce que l'avocat c'est dans l'opinion, pas d'accord. Ou bien des groupes de monde qui disent policiers, chaque fois qu'ils prennent la rue, tout le monde sait qu'ils rentrent la caillou. Alors, gros problème dans la police là, ça veut dire qu'automatiquement, quoi pas unifié, pas capable d'un commandement. C'est ça que je dis là. Et où nous voyons ça qui passe avec Tommy Rameau, nous connaissons ça, Léon Chalvaux, mais enfin, nous faisons très attention. Mm-hmm. Contexte l'a changé, un contexte de fronde. Maintenant, est-ce que tu as une unité de commandement? Est-ce qu'on parle d'une situation côté chaque monde attend un directeur de la police et je peux remplacer? Est-ce qu'il veut une collaboration ensemble de monde qui doit aider le fait travail là? Parce que un chef, c'est un chef, mais les chefs, s'il y a une structure qui répond, s'il y a un levier dans main, l'aile passe commandement, et monde a fait travail. Maintenant, question caractère, question leadership, cala dans tout. C'est justement ça que j'ai essayé de développer là. Pour nous faire très attention pour ne pas croire que le monde a lui-même seul qui est capable de changer la situation. Si pas une prédisposition, si pas un mode d'organisation, si que pouvoir dans sa globalité et pas embrasser la question de sécurité dans toute dimension, si que société à tout. Pas entrer dans bagaille là pour pas seulement attendre son policier qui pour aider résoudre question à lui-même seul parce que là question de sécurité a venu aucun problème de société.
Et il y a monde qui vient de dire que au fait c'est ça les Ramon Normil et il était un problème dans la police là, il y a une forte résistance de sa troupe et j'ai dit mais est-ce que il était vraiment soutien et bah connait non et CSPN le président de la République premier ministre là t'es royal mais lundi oui quelques jours avant arrêté à et sorti moi tendais président de la République là qui est tapé renouvelé et confiancé en directeur et général PNH. Est-ce que politique y était vraiment et bal soutien bal moyen pour faire travail? Eh bien, c'est ça, c'est exactement ça, la PCI dit. Et pas oublier que, ou non, jeu politique, côté politique, yo comptait sous directeur police là, pour résoudre problème, insécurité. Pas oublier que chaque lettre, insécurité a déraillé, c'est sous politique, yo longe droite, yo besoin d'un opérateur, que le directeur, la police, qui peut résoudre question. Alors, chaque matin, opinion politique l'a changé. Chaque lèvre ouvert radio, dans des bons actes qui fait ici, bons actes qui fait de l'autre bord, et que la police l'a pas réagi, la police l'a pas montré l'efficace, eh bien, ça mettait, autorité directeur de la police là, en jeu. D'autant plus que, monsieur Rameau dénonce situation particulière, il dénonce sorte de intérimat, le fait qu'il n'est pas confirmé par le Sénat, qui va être président de la République là, le pouvoir pour lui changer l'élever. Alors, c'est un poste côté monsieur Normil qui est trouvé très, très fragilité depuis la déclaration du premier ministre. Mais au-delà de la déclaration du premier ministre, par dégradation systématique d'insécurité publique là, paquet de monde, cap tombé victime et Evelyne Saint-Cyr, que ce soit ça qui est passé dans l'école normale supérieure, que c'est ça qui a passé chaque jour, on a tenté en province, tant qu'on a capitale là, où est que gagnons un gros problème d'insécurité seulement, m'a insisté pour me dire. Problème n'a pas qu'à résoudre seulement par la police. Gagnons question absence de l'État. Le côté où les ghettos, et là, je dis ghetto, faut ne pas prendre, tant que c'est seulement dans la capitale là, ou bien dans la grande ville, nous, non, même dans la section communale, yo, côté mon yo, censé la guerre pour continuer, là, pas qu'il y ait présence de l'État, pas qu'il y ait autorité de l'État, qui est responsable population, sous plan social, sous plan sécuritaire, eh bien, bandit, yo, joue une marge de manœuvre, ou autant d'un bail qui est à la mode, du coup, bandit a fait social. Ça veut dire bandit a fait social. Parce que bandit a, li non espace, côté, l'elfonzac dans la rue a, li pon carion manger, li ba moun yon ti bay la tani, li fè même bouche yo, et puis moun yon grand goût, etc. Et pour gen l'autre dimension problème là, li pa justifié là, que c'est question chômage là. On ban jeune garçon plagué là, pas rien à faire, toute la journée, y a pas de football, y a pas de bel tennis, etc. Y a besoin de bel tennis là, y a besoin de bel téléphone, pas gen cop. Et puis bon, yo ka recruter yo très facilement. Gagner la famille qui démissionnait et pour gagner toute crise qui gagne dans la société à côté qu'on perde de confiance dans l'autorité, dans l'élite, qui fait tous les moyens sont bons et le banditisme vient un bagaille qui est à la mode en plus les jeunes pensaient que son opportunité puisque pas une autre bagaille qui offrit. C'est ça que fait moi insister pour me dire c'est bien si qu'on nouveau chef de la police ça capable créer une dynamique d'espoir. Mais ça pas suffit pour résoudre problème insécurité qui est beaucoup plus complexe. Eh bien, madame, messieurs, je nous souhaite de lancer comme ça. Et directeur réseau national défense et droits humains et Pierre Espérance traité dernier décret président Jovenel Moïse là, selon lui, qui t'a réduit dans pouvoir supérieur des comptes là, de décisions inconstitutionnelles et illégales. Puis loin, défense et droits humains là, mandé tout pour population, t'a fond levé campé contre décret. Ça. Eh bien, mesdames, messieurs, nous avons continué pour nous capables, fort qu'on est que, malgré toute montée des cendres qui a fait dans le pays d'Haïti, révoquer directeur général, remplacer directeur général, insécurité a continué à faire rage dans le pays d'Haïti.
Dans la commune Saint-Louis-du-Nord, il y a un groupe individu. Nous connaissons qui est rentré avec Pasteur Job pendant ce moment, qui est arrivé à assassiner et Pasteur Atou. Malheureusement, ailleurs, là où tu es rentré pour assassiner Pasteur, ça qui c'est Pasteur Job, eh bien, grâce avec vigilance Pasteur, il était arrivé à maîtriser Youn en dans la Kaili. Ça dans le sens ça que nous relé légitime défense là. À noter que Pasteur Job c'est lui-même nous pral garder là qui avec maillot bleu ça sous lui bandi a tiré sous lui mais cartouche là just flotte seulement beaucoup li pas mouri li bail bandi a plusieurs cartouches li tombé côté actuellement là juge de paix a fait constat pour être capable pour tes dernier note yo vini voler à t'arriver perdit la ville. Mesdames messieurs, Pasteur Job t'a remporté la victoire sous bandi si là. Dans l'autre bord, nous avons connait que gagné Thomas Zama qui gagné 32 ans. Thomas Zama gagné 32 ans, gagné Charlie Ozime qui gagné seulement 17 ans. Nous gagné Duclair V, Johnny Mackinson, Prophète Oreste, Wendell ak Fana 18 ans. C'est nos six bandits bien sûr que la police dans ville Saint-Marc t'est arrivé arrêter dans cadre enquête qui t'a mené dans dossier assassinat Pasteur Jean-François ak toute madame li qui était enceinte déjà 7 mois bandi exam t'est criblé malheureusement dans commune Mont. Nous avons continué pour une fois qu'on est que la police dans Williamson rive saisi un pistolet 9 mm et te démantelé un réseau gang hier samedi là qui t'a opéré dans la commune Akaye côté que moun sa yo kon habitué participer dans détournement marchandises. Yo te braqué un camion qui t'a transporté marchandises. Donc c'est ça que yo toujours qu'on fait déjà. Dans cadre fouille que la police t'a fait hier à la police nationale d'Haïti, délégation l'Ouest là plus précisément et vice-délégation arrondissement Akaye, li t'est rivé mettre la patte sous Wantili Benjamin qui t'est gayon calibre 9 mm dans machine li, sans aucun papier. Pour kounyan mesdames messieurs, na faut qu'on est que li nan commissariat li déjà nan la police. Pour nous continuer avec information yo jan nou te di la insécurité a toujours à faire rage ou même qui a vivre dans pays d'Haïti ou besoin faire pile prudence et sécurité a li partout li pas dans une zone spéciale li tout côté. Nan cadre yon affrontement ak yon patrouille la police na faut qu'on est que nan ville au Cap la police rive stopper yon présumé braqué après les populaires. Ou comprenne, braqué à rele populaire, ligue seulement 22 l'année sous tête li. Ensuite, James Pierre, alias Chawa, nous t'en de qui j'abandis en rele, James Pierre, alias Chawa, ligue seulement 23 l'année, yo arrêté ensemble avec Sandro Nozil, ligue seulement 19 l'année. Yo jwenn arrestation yo nan affrontement sa ki ta fait la. Toujours dans même cadre opération ça, c'est là où t'es arrêté, la police rive saisi trois téléphones ak yon pistolet qui te gagné 8 graines cartouches. Est-ce qu'on comprend bien? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que insécurité a valé terrain. Toujours dans même cadre insécurité mesdames messieurs, la police nationale d'Haïti t'est arrivé démanteler un groupe gang hier samedi 14 novembre là qui gen habitude opérer déjà dans commune Akaye département l'Ouest pays tout le monde connaît le côté que cela nous connaît le petit plaisir nous parfois yo t'est détourné un camion marchandise. Est-ce qu'on comprend? Donc c'est des détournements qui a fait dans cadre opération ça la police rive saisi yon zam ak plusieurs téléphones nan mes bandi yo. Moun sa yo, c'est des moun qui spécialisé yo nan vole camion marchandise et puis pour marchandise yo a tiré yo nan depi. Eh bien la police dans zone Williamson dans zone Akaye mette monsieur Sila sa yo en bacode, elle te prend yon femme tout, yo mette femme nan en bacode. Pour nous continuer avec information yo, nous en faut connait que la police nan Jérémy fink met la patte nan collecte présumé bandi sa yo. C'est Tijude qui te fait partie de l'armée Chris là qui te al caché col nan commune Jérémy. La police nan Saint-Louis du Nord pas suspend travail tout côté que yo te rivé fouke deux jeunes garçons. Nous gen Ville Saint-Pirlet ak Berlin François yo arrêté yo côté yo te chargé ak plusieurs paquets ou bien sac marijuana nan machine yo.
yon machine beige qui immatriculé BB 96896. Et pour qu'on y en a fort qu'on est que moun sa yo et deux individus tout yé nan gada yo. Pour qu'on y en a fort qu'on est que deux individus sa yo yo déjà nan gada vi nan commissariat Saint-Louis du Nord, yo nan met la police pour capable faire suivi pour yo. Et pour nous continuer pour avec cette information, yo gen Julio Estimé qui c'est alias Toua, nous tande non ni c'est alias Toua, c'est non présumé bandit si là que la police nan commune Lester des concert ak gouvernement juridiction Gonaïve là rivé mettre en bacode ailleurs vendredi qui était 13 novembre là nan commune Lester. Information fait quoi que yo ta ka acquiser tout toua bien sûr comme présumé bandit qui t'est coupé tête ou bien tout un jeune garçon y a prélé Jude Joseph nan marché diri Lester nan date 10 octobre qui s'est passé là gen un monde qui t'est mort comme ça qui c'est lui même qui pote nom Jude Joseph yo t'est coupé tête li bien malheureusement. Et bien commissaire gouvernement juridiction Gonaïve là monsieur en fait maître Sirer Garcius déclaré que opération yo a continué pendant le mandat des populations Lester collaborer nan informer la police nan l'idée pour traquer tout bandit cap simen nan mitan population Lester. Mesdames messieurs, nous a continuer pour nous faire connaître que la police toujours dans commune Lester mettre la patte dans collecte yo l'autre bandit qui est le Schneider Montezi. C'est lui même actuellement qui va suivre là qui c'est moun marchand de saline qui te gon zam nan men pendant yon braquage plusieurs présumés bandits t'a fait sur route nationale là dans cadre opération ça yon n'a présumé bandit yo valé dedans et ak yon policier qui t'est arrivé pour un balle c'est pratiquement bilan ça. Et mesdames messieurs, j'ai noté du là, ou même qui a vive ou besoin rester prudent veatif et toutefois, ou t'a remarqué gen des visages inconnus dans zone la kaou, li important pour prévenir la police au moins pour capable faire un coup d'œil, y a essayer joindre une petite information de moun ça. Na faut qu'on est tout que nèg exam que personne pas arrivé identifier, ouvre coup d'exam sous machine juge instruction qui c'est Renault registre sous route Boudon là, n'a rappelé que Renault registre c'est juge instruction qui sous dossier maître Montferrier d'Orval. Donc ça veut dire en pile bagaille. Eh bien mesdames messieurs, Péric c'est non un présumé bandit que la police dans commune Lester des concert ak Gonaïve arrêté journée vendredi 13 novembre. Selon information yo, Péric c'est maladie dans station Lester Gonaïve là. Ou capable comprendre. Faut nous dire tout, ça fait un bon bout de temps que nèg exam a simé dey nan mitan population commune Lester. Côté que bandit tire moun même dans salon la caillou. Dans sens ça, c'est raison qui fait que commissaire gouvernement juridiction Gonaïve là qui c'est maître Sirer Garcius ak la police fait connait que opération yo a continuer dans quelle idée, c'est dans l'idée pour mettre tout bandit dans commune là en bacode. Mesdames messieurs, nous a quitté là pour aujourd'hui, nous a tourner rejoindre nous dans une autre vidéo parce que nous là pour nous informer. Merci beaucoup, pas oublier abonner sous pour faire ça, c'est meilleure façon que capable encourager nous dans travail ça. Bye bye, reste des nôtres.